Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci, Saint-Fils de Dieu. Merci. On attend que nous-mêmes. Ce rendez-vous, cette invitation que Jésus nous fait dans ce cours, il nous invite à faire le chemin qu'il a lui-même parcouru. Et vous connaissez le chemin déjà aplani. Ce cours est simple. Je pardonnerai. Et toutes les images de souffrance disparaîtront. Je pardonnerai. Je prends quelques instants. Nous sommes déjà à la dixième partie, dixième leçon de ce premier thème. Dans la deuxième partie de nos leçons, ce thème, mais qu'est-ce que le pardon? Je nous invite à revoir quelques phrases de cette introduction. Vous savez, on a fini de distordre le cours en miracle, de le faire à sa manière. Une volonté libre ne signifie pas que tu puisses changer le curriculum, à la fois le contenu de ce qui nous est enseigné, ses révélations, et à la fois la méthode pour en faire l'expérience. Parce que ce cours n'est pas, il faut essayer de croire ça. C'est pas une religion ce cours, et Dieu n'est pas une religion. Mais ce cours nous conduit à la vérité de ce que nous sommes. C'est notre véritable identité qui nous est révélée à chaque leçon, à chaque texte. Et cette véritable identité, le Fils de Dieu que nous sommes, nous conduit à Dieu. Et encore une fois, reprenons ensemble. Ce petit repère, tout simple, mais Dieu, c'est pas une religion, c'est pas un rituel, c'est pas Dieu ailleurs, Dieu punisseur, toutes les sortes de dieux idoles qu'on s'est fait. Jésus nous dit faire nos leçons. On passe du temps avec Dieu. Nous prononçons les paroles d'invitation que sa voix suggère. Quand tu lis une leçon. Jésus-Christ, il s'est entièrement identifié au Fils de Dieu. Il est devenu le messager de Dieu. Ce que Jésus a dicté dans ce cours, c'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est les paroles que Dieu veut te donner en ce moment et qu'on a parce qu'on peut lire ce livre, ce vidéo. Et vous le savez, notre méthode de travail ensemble, c'est mot à mot avec le cours. C'est pas de l'interprétation du cours. Tu veux comprendre le cours en miracle? Prends le cours en miracle. Et non pas des interprétations parfois tellement distordues. Alors, Jésus nous dit, écoute le Saint-Esprit. L'invitation que sa voix suggère. Puis, nous attendons qu'il vienne. Nous attendons la venue de Dieu, qu'on n'a jamais quitté un voyage sans distance. Et voici le moment où la prophétie est accomplie. Dieu a promis qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. Et il nous a donné son Fils pour nous enseigner le chemin. Jésus est le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Et ta grand-mère qui elle, est là, le voisin, le patron au travail, nos frères aussi bien, l'autre côté de la planète, que nos plus proches, qui sont-ils? Des fils de Dieu. C'est en notre frère qu'on va retrouver Dieu. Parce que quand on va voir le Saint-Fils de Dieu en eux, on va le reconnaître en nous. Le Fils de Dieu que Dieu a créé, que l'amour a créé. Cet amour en majuscule, c'est Dieu. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Et je reconnaîtrai cette vérité quand je la verrai à mon frère. Dans ce cours, c'est ce qui nous enseigne. C'est ce que Jésus nous enseigne. Je pardonnerai et le monde de souffrance disparaîtra. Mais alors, qu'est-ce qui va rester? C'est n'est pas la planète qui va disparaître. c'est n'est pas mon corps qui n'existera plus à la fin de ma journée. Ou le tien. Mais je ne verrai plus mon frère comme un coupable, un corps souffrant, un séparé de moi. Quand je pardonnerai, je verrai la face du Christ en mon frère et par lui je reconnaîtrai le Fils de Dieu en moi que jamais quitté sa source. Voilà le chemin. Voilà la prophétie qui est accomplie dans ce cours en miracle. Maintenant, toutes les anciennes promesses sont respectées et pleinement tenues. Vous savez, cette expression qui m'est souvent donnée à dire, alors bienvenue au cours en miracle, parce que tu vas retrouver la promesse de Dieu. Dieu, notre source, qui a tout donné à son Fils et qui a promis qu'on se retrouverait dans la vérité de ce que nous sommes au lieu du petit jeu séparé, qui a jamais été réel. Il ne reste plus, il ne reste plus de pas qui sépare le temps de son accomplissement, car maintenant, nous ne pouvons pas échouer. Entends Jésus qui t'a dicté cette phrase. Ce nous-là, c'est Jésus qui nous parle de secours. On a fini d'y voler ses droits d'auteur et nous ne pouvons pas échouer. Jésus nous dit assieds-toi en silence. Alors, essaie pas de trouver des bonnes formules en silence. Attends ton Père. Sa volonté était de venir à toi quand, quand tu aurais reconnu que c'était ta volonté de retrouver Dieu au lieu de jouer à l'ego et de se projeter un monde à sa manière. Veux-tu retrouver la vérité éternelle en toi Cette paix, cette paix, c'est Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu. Pourquoi Parce que la paix, il n'y a pas de conflit dans la paix, il y a unité. Et cette unité, c'est le tout. C'est Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et si toi, tu es en Dieu, je le suis aussi. Alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. Angèle oui, s'il te plaît. Est-ce que tu peux grossir le texte, s'il te plaît? Ah, oh, merci. Excusez mon erreur. Merci. Merci. Mais, oui, yeah, c'est bon. Merci de l'avoir demandé. Assieds-toi en silence et attends ton père. Sa volonté était de venir à toi qu'un. Quand tu aurais reconnu que c'était ta volonté de retrouver Dieu, que Dieu te soit enfin révélé. Et tu n'auras jamais pu te rendre, tu n'aurais jamais pu te rendre si loin si tu n'avais pas vu, même très vaguement, que c'était ta volonté. Et là, Jésus ajoute, et je suis si proche de toi. Nous dit notre frère Jésus, notre ami, celui qui a reconnu le Fils de Dieu en lui et qui a reconnu en nous le Fils de Dieu. Parce que c'est comme ça que retrouver la vérité, c'est en donnant qu'on reçoit. Et Jésus nous dit en cet instant, je suis si proche de toi que nous ne pouvons pas échouer. On vous retrouver Dieu. C'est notre volonté et c'est la volonté de Dieu qu'on se reconnaisse son Fils à qui Dieu a tout donné. Père, nous te donnons ces moments saints. Voilà ce que c'est étudier cette leçon aujourd'hui. Ouvrir notre cour, faire nos leçons. Nous te donnons ces moments saints, Père. Et Père, gratitude envers celui qui nous enseigne enseigné comment quitter le monde du chagrin. En Dieu, il n'y en a pas de dévastation, perte, manque, mort, souffrance. En échange de son remplacement, et vous savez ce que veut dire remplacement, un ou l'autre, mais les deux ne peuvent pas être vrais. La sainteté et la culpabilité ne peuvent pas être vraies en même temps. À nous donner par toi, Père. Tu nous as donné d'être. Ton fils. Tu nous as donné tout. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Nous ne regarderons pas en arrière maintenant. On ne finit d'essayer de comprendre la souffrance, l'erreur. C'est la vérité que je veux. Je veux pas comprendre la douleur. Je veux la vérité. Et la vérité, il n'y a pas de douleur en Dieu. Il n'y a pas de douleur, je ne suis pas un corps. Comment mon corps pourrait être ma réalité, comment la douleur pourrait être ma réalité. Nous ne regardons pas en arrière maintenant, nous regardons en avant et les yeux fixés sur la fin du voyage, ce voyage sans distance qui nous ramène à notre Père qu'on n'a jamais quitté. Accepte de nous ces petits dons de gratitude, Père, tandis que par la vision du Christ, nous contemplons un monde. Voilà faire nos leçons, voir ce monde différemment, au-delà de celui que nous avons fait, et prenons ce monde pour remplacer pleinement le nôtre. Maintenant, nous attendons en silence. Il n'a et certain de ta venue, Père. J'ai pris le temps de lire ces quelques phrases, qui nous ramènent à la page 415 dans notre livre, que vous retrouverez à la leçon 221. Cette introduction à la deuxième partie de nos leçons jusqu'à 365 Relisez cette méthode de travail, cette invitation de Jésus, et on va comprendre c'est quoi faire nos leçons du cours en miracle. Et là, Jésus nous explique on aura un thème, dix jours de leçons qui expliquent un thème. Ce premier thème, qu'est-ce que le pardon Je vais relire cette page comme un cadeau que je reçois en donnant. Jésus m'enseigne ce qu'est le pardon. Je le fais. Je fais mienne cette manière de voir. Le pardon est un don que Dieu m'a donné, que je reçois en donnant et qui m'est expliqué dans les dix jours de leçon. Celle d'hier, je vais comprendre le pardon parce que maintenant je sais que Dieu m'a créé, que je suis son fils, que l'amour. En majuscule, donc l'amour de Dieu qui m'a créé est ce que je suis. Je vais pardonner en moi toutes les souffrances de ce monde parce que je ne suis pas ma souffrance. Tu n'es pas ta souffrance. On a parlé tantôt d'inondations. On n'est pas des dévastations qu'on va voir en ce monde. On va pardonner toutes ces peurs, toutes ces souffrances. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. C'est pour l'inondation que repue sa terre. Mais je ne verrai plus jamais le mal, le péché, le coupable. Je vais entendre le Saint-Esprit réinterpréter. Et pour le Saint-Esprit, le temps sera à pardonner. Ce monde est. Sert à pardonner toutes les illusions de séparation qu'on s'est fait dans ce monde. Et l'erreur le, doit être corrigée à sa source. C'est ici, dans ce monde, qu'on a besoin de pardonner les illusions. Qu'est-ce que le pardon Le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. C'est pas ça notre réalité. On n'est pas devenu un corps souffrant parce que. Il m'a rendu malade parce que je souffre à partir de mon jugement de condamnation. Le véritable pardon, comme Dieu pardonne, lui que jamais condamné, il ne pardonne pas les péchés pour les rendre réels. Il voit qu'il n'y a pas eu de péché. Et dans cette façon de voir, toute ta croyance, toute ta justification dans ta souffrance à cause d'eux où on trouve des coupables. Mais c'est moi qui vois ce monde. Je suis le rêveur de ma perception des péchés de ce monde. Et toute cette manière de voir le péché m'est me, pardonnée. Qu'enfin je reconnais que ce que je pensais que mon frère m'avait fait, ne. C'est pas produit. Qu'est-ce que le péché? Une idée fausse sur le Fils de Dieu. Un saint Fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Quand tu pardonnes, ce monde de péché et de culpabilité disparaît de ton état d'esprit. Et tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Je vais tout de suite lire cette phrase-là. Alors, qui voudrait se pardonner d'avoir vu le mal, doit apprendre à accueillir la vérité. Vois ton frère tel qu'il est. Il est le coupable que tu condamnes. Ou alors c'est toi le coupable où il est tel que Dieu l'a créé. Alors, tu veux pardonner toutes les souffrances qui te sont portées, que tu as vues en toi, en l'autre, qu'importe. Ne fais rien donc, et connaissez l'importance de ce petit mot, et laisse le pardon te montrer quoi faire. J'écoute le Saint-Esprit. Par celui qui est ton guide, ton sauveur, ton protecteur. Fort en espoir et certain de ta réussite. Je vais donner comme exemple en ce moment. Je suis malade. Il est trop tard maintenant. Mon corps est, est, est malade et je ne peux plus rien faire. Fort en espoir. Donne au Saint-Esprit. Et tu vas te rendre compte qu'il ne peut pas être trop tard pour te pardonner. Tu vas te rendre compte que le Saint-Fils de Dieu en toi qui demande à apprendre à pardonner reçoit ce don à donner. Et tu vas te rendre compte de ta propre guérison en l'offrant à ton frère au lieu de l'enchaîner à ta perception de ses erreurs. Laisse le pardon te montrer quoi faire. Guérir. Pardonner, c'est guérir. Et guérir, c'est accepter d'être guéri. Fort, en espoir. Demande au Saint-Esprit comment ce pardon de ma maladie, <coughs> ma maladie depuis 40 ans doit s'accomplir. Entends le mot. Entends l'invitation. De Jésus, mets ton espoir dans le ce que le Saint-Esprit va te dire. Il va te montrer comment pardonner ta croyance en une maladie depuis 40 ans. Mets ton espoir dans la voix de Dieu en toi, au lieu de toute la colère, toute la souffrance que tu as vécue. Te mets ton espoir, te mets ta foi dans les illusions maintenant. mais le dans la voix du Saint-Esprit qui va te montrer comment ce pardon va s'accomplir. Le Saint-Esprit t'a déjà pardonné. Tu n'as jamais été ta maladie. Tu n'es pas ce corps. Et tu as toujours été tel que Dieu t'a créé. L'amour qui t'a créé est ce que tu es. En cet instant, toi, un nouveau frère. Peu entendre. peut entendre, peut-être pour la première fois, je peux guérir au lieu de souffrir. C'est pas la volonté de Dieu que je souffre de mes erreurs, et on en a tous fait. Mais le Saint Esprit nous a déjà pardonné, car telle est sa fonction que Dieu lui a donnée, et il a accompli sa fonction. Maintenant, tu dois partager sa fonction. Laisse le. Pardon, te montrer quoi faire. Accueille la vérité en ton frère. Et quand tu vois la face du Christ en ton frère, au lieu d'une image de peur que tu, es, que tu avais projetée sur lui, une image de culpabilité, de souffrance, vois la face du Christ en ton frère. Et les miracles sont toujours là. J'ajoute avec une telle certitude en moi. Une telle paix. Pardonne et tu verras ceci différemment. Partage la fonction du pardon que le Saint-Esprit nous enseigne à chaque seconde de nos vies. On est dans un monde de perception. Jésus nous dit la douleur ou la souffrance nous sera portée et disparaîtra parce que tu vas voir la vérité derrière les illusions en chacun de tes frères. Et chacun de tes frères, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut, m'enseigne à reconnaître la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes. Et dans l'amour de Dieu que nous sommes, il n'y a plus de place dans nos esprits à la peur, sous forme de souffrance, de colère, de maladie, de tristesse. Maintenant, tu dois partager la fonction du Saint-Esprit. Et pardonner à celui que le Saint-Esprit a pardonné, qu'il a sauvé, dont il voit l'impeccabilité. Le Saint-Esprit voit le Saint-Fils de Dieu en ton frère, celui-là même que tu condamnais d'être un pauvre de lui et qu'il honore en tant que Fils de Dieu. Honore ton frère comme Dieu l'a créé. Ces dix jours de leçons deviennent pour moi un cadeau que je déposerai pas dans le fond du tiroir, sur, sur la pile, en oubliant le rester, etc. Dieu m'a créé, Dieu est mon père, et je faisais erreur à mon sujet parce que je me rendais pas compte que Dieu était ma source. Mais je n'ai pas quitté cette source. Et c'est ce grand principe qu'on peut pas nier quand tu l'acceptes une seule fois. Mais la pensée jamais ne quitte sa source. Je suis la pensée de Dieu. Revenez à votre leçon d'hier. À cet instant de délivrance ou avant-hier, Cet instant de délivrance quand j'ai accepté que ma volonté est la volonté de Dieu. et que Dieu ne m'a pas condamné, alors pourquoi je chercherai encore des coupables pour me condamner moi-même Alors on comprend dans la leçon d'hier, mais Dieu est l'amour qui m'a créé, seul l'amour crée, et amour à majuscule indique dans ce cours, c'est notre code d'écriture en nous, entre nous. Leur majuscule relève de Dieu, la majuscule. On parle de Dieu, du Fils de Dieu. Vous avez remarqué que Fils de Dieu s'écrit toujours avec un F majuscule. Saint-Esprit ou leur action. Donc l'amour qui, pour décrire l'action qui m'a créé, est ce que je suis. Je suis l'amour de Dieu en ce monde. Je suis pas un enfant battu. Je suis pas la victime de ceux que je condamne ou de mes propres erreurs du péché. Non, non, ce n'est pas l'autre le coupable, c'est moi. Mon Dieu, que l'égo mente absolument, que tu restes accroché à la religion de la culpabilité. Quand Jésus nous a dit Tu as fait de la culpabilité ton salut, j'ai fait Mais ça se peut pas, c'est tellement souffrant. Se sentir coupable, et on aurait fait ça, nous, mais justement, dans nos rêves, vous savez, des rêves, c'est toujours insensé. Te voler au-dessus de la maison, de la montagne, ou alors t'étais attaqué la nuit par un gros méchant, ou c'était toi qui tuais l'autre, ou c'est l'autre qui te tuait, mais t'es pas morte cette nuit-là. Alors, on a fini de rendre nos rêves apeurants. Ils sont insignifiants, nos rêves. Mais toi, t'es pas un rêve, t'es en vie. Cette vie, c'est Dieu et c'est l'amour qui t'a créé. Et qui est donc ce que tu es? Ta pensée jamais ne quitte sa source. Tu veux savoir qui tu es? En définitive, tous les curriculums de ta vie. Tout ce que tu as voulu apprendre dans ta vie était pour t'enseigner, mais que suis-je? Et non pas qui suis-je comme personnalité. On y arrivera à la fin de notre cours à cette belle question. Mais Jésus nous dit, tous les curriculums veulent... Euh, tu, tu suis un curriculum parce que tu veux te connaître toi-même. Et pour ceux qui s'en souviennent, connais-toi toi-même. Et tu connaîtras Dieu et l'univers et ton frère dans cette leçon qui nous enseigne enfin à se pardonner de, de avoir pensé qu'on était un ego, une personnalité, un petit jeu séparé. En avant de l'autre ou en arrière de l'autre, en comparaison. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. C'est un beau repère. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est Dieu qui t'a créé. Tu t'es pas créé tout seul. Tu n'es pas le père de toi-même ou le père de ton père. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Maintenant, je n'ai plus besoin de chercher qui je suis. Que suis-je? L'amour a prévalu. Et dans la leçon d'hier, Père, merci. Merci de m'avoir créé. Je te remercie de ce que je suis. Ta pensée en ce monde, l'amour de Dieu est ma réalité. Je suis tel que tu m'as créé. C'est l'amour qui m'a créé et c'est ce que je suis. Merci de m'avoir créé d'avoir gardé mon identité éternelle, immuable, inchangeable, intouchée, donc sans péché, parmi tous les rêves de mal, de péché, de démons qu'on a pu inventer de toutes sortes de manières. Quand inventer mon esprit saut, la partie de moi où je pensais que j'étais un petit jeu séparé. Mais qui n'a jamais été ma réalité. Je te remercie, Père, de m'avoir sauvé de mes rêves d'égo, de mes rêves de peur. Le moyen, c'est le pardon. C'est de pardonner en moi d'avoir cru à mes peurs qui m'amène à ma véritable identité. Et on arrive à notre leçon d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le pardon Cette question, notre dixième journée, elle ne finit pas. Elle va rester en permanence dans mon esprit. À chaque fois que je vais voir une raison de souffrir en ce monde, une dévastation, une tristesse, une maladie, une colère, tout ce que Dieu n'a pas pu créer, comme un amour pourrait créer la maladie. Comme la paix pourrait créer la guerre, Comment la force pourrait créer la faiblesse, comme la sainteté pourrait créer la culpabilité. Qu'est-ce que le pardon va devenir une pensée, un état d'esprit dans mon esprit? Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Maintenant. Je chercherai et trouverai la paix de Dieu. Et trouverai la paix de Dieu. Dans la paix, j'ai été créé. L'amour m'a créé pareil à lui-même. La paix m'a créé paix. La force de Dieu m'a créé force. L'unité de Dieu m'a créé un. La joie m'a créé joie. Dans la paix j'ai été créé et dans la paix je reste. La vérité, elle jamais d'être vraie. Et c'est pas parce que tu crois ni des fausses que tu as changé la vérité. Cette paix de Dieu est en moi. Cette phrase que souvent le Saint-Esprit me ramène, me donne à donner, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Il ne m'est pas donné de changer mon soi. Je ne peux pas changer Dieu. Je ne peux pas changer la vérité. Je ne peux pas changer la vérité du Fils de Dieu que Dieu a créé par l'amour qu'il est et qui m'a créé ce que je suis. Amour. Je ne peux pas changer mon soi. Comme Dieu, mon Père, est miséricordieux, rappelez-vous ce que veut dire miséricorde ou miséricordieux. C'est un aspect de l'amour de Dieu et qui nous amène à pardonner toutes les illusions qui nous sont portées, parce qu'on ne pardonne que des illusions. Comme Dieu, mon Père, est miséricordieux de m'avoir donné la paix. La paix à jamais depuis tout le temps et pour tout le temps, à jamais. Oh, L'ego veut dire, menteur et trompeur, ça veut dire que j'ai jamais eu la paix. On a fini de tout mettre sans dessus, dessous, de prendre ce que Jésus nous enseigne et d'y donner un sens opposé. Oh, L'ego veut te montrer que tu ne peux pas en prendre secours. L'ego veut te montrer que tu peux pas être en paix, tu en colère. Tu t'es mis en colère. Où tu condamnes l'autre d'être sa colère. Dieu, mon Père, dans sa miséricorde, dans son amour, il m'a donné le don du pardon. Dans sa miséricorde, il me montré que je pouvais me pardonner d'avoir cru, que je pouvais changer la réalité, changer le Saint-Fils de Dieu que je suis en un coupable. Et si c'est pas moi le coupable, ça va être l'autre. Comme Dieu est miséricordieux de m'avoir donné la paix depuis tout le temps et pour tout le temps. Lorsqu'il m'a créé, à jamais veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. C'est donc maintenant et ça a toujours été vrai et sera toujours vrai et c'est donc vrai pour les autres aussi. Mon frère, te beau hurler ta colère, crier à l'injustice. Te sentir tout seul, abandonné, blessé, le reste. La vérité, elle n'a pas changé. Tu ne t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et en toi, il est une paix. À jamais, éternellement, tel que Dieu t'a créé. Maintenant, je demande seulement d'être ce que je suis. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis dans cette paix de Dieu éternelle à jamais. Cela peut-il m'être nié que cela est vrai à jamais Donc c'est toujours été vrai, c'est vrai maintenant. Vous savez, vous pouvez être en colère, à pleurer votre vie, à à vous sentir épuisé, impossible, euh, incapable, dans n'importe quel état de guerre, et c'est toujours de la guerre contre soi-même. Rappelle-toi cette leçon aujourd'hui. Qu'est-ce que le pardon Ce pardon, je veux l'apprendre. Et rappelle-toi ce que Jésus est en train de nous enseigner. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Alors refuse, prends position contre ta colère et décide que tu veux entrer en toi, trouver cette paix qui a toujours été là. Je pardonnerai et tout ceci disparaîtra. Cette paix n'était jamais en moi. Est-ce qu'elle peut m'être niée? Père, je cherche la paix que tu as donnée pour mienne en ma création. Voilà notre prière à Dieu. Je cherche la paix que tu m'as donnée, Père. Cette paix ne peut pas m'être niée. Elle, a, elle est telle que Dieu m'a créée. Ce qui a été donné alors à ma création doit être ici maintenant, car ma création était à part du temps. Ce temps, c'est un truc. Et à quoi sert le temps? À nous pardonner, à pardonner à nous-mêmes d'avoir cru qu'on était séparés de Dieu, que j'avais un conflit avec toi, que tu m'avais blessé, que j'avais blessé quelqu'un. Ce temps sert à pardonner toutes les illusions de ce monde. Je cherche la paix que tu m'as donnée, Père, aujourd'hui. Pour mienne, en ma création. Ce qui a été donné alors doit être ici maintenant, car ma création était à part du temps et reste encore et au-delà de tout changement. La paix dans laquelle ton Fils est né, dans ton esprit, Il brille, inchangé. Je suis tel que Dieu m'a créé. On a compris il y a quelques jours que notre délivrance était d'accepter la volonté de Dieu, qui est la mienne, et non pas. Prenons le temps de pardonner en cet instant. Cette distorsion de l'amour de Dieu, quand on disait ⁇ Et que ta volonté soit faite et non la mienne ⁇ on ne s'adressait pas à Dieu, on s'adressait à un Dieu punisseur. En niant le Saint-Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, en se sentant pécheurs, en ayant peur de la punition de Dieu, et l'on était prêt à se sacrifier. À souffrir, mais toute souffrance n'est pas la volonté de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé, je ne suis pas ma souffrance. Et j'ai seulement besoin de faire appel à toi, Père. Encore une fois, ce cours, c'est pas, il faut essayer de croire ça comme un truc de magie, de baguette magique, de rituel automatique. Mais c'est une décision. En cet instant, je cherche la paix que tu m'as donnée, Père. Je fais appel à toi, Dieu. Et laisse tes pensées s'ancrer à ta décision de faire appel à Dieu pour trouver la paix que tu m'as donnée. C'est ta volonté qu'il l'a donnée à ton fils. Alors tu appelles Dieu en silence, dans cette silencieuse expectative. Dieu se révèle à toi dans cette paix qui a toujours été en toi. Et tu viens d'ouvrir ton esprit à Dieu dans ta décision. La volonté de Dieu est ma volonté. Voilà notre délivrance des illusions. Et quand tu disais que ta volonté soit faite, Père et non la mienne, c'est un Dieu punisseur, à un Dieu absent, à un Dieu qui gérait mon péché, ma culpabilité ou celle d'un autre. Ça n'existe pas un Dieu qui punit. Ça n'existe pas un Dieu qui a fait un enfer. Dieu veut qu'on retrouve la paix de Dieu en nous en ce moment. Je cherche la paix que tu m'as donnée, Père, que tu as donnée pour mienne en ma création. Ce qui, ce qui a été donné alors doit être ici maintenant. Je relis cette leçon qui va nous permettre d'intégrer ce pardon comme Jésus me l'enseigne. Qu Est-ce que le pardon Maintenant, ce pardon s'accomplit en moi parce qu'au lieu de souffrir, comprendre la souffrance, condamner, trouver des coupables, maintenant, je chercherai et trouverai la paix de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité, de souffrance. Dans la paix, j'ai été créé. L'amour m'a créé. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Dans la paix, j'ai été créé. Dans la paix, je reste. Il ne m'est pas donné de changer mon soi. Comme Dieu, mon Père est miséricordieux. Miséricordieux de m'avoir donné la paix à jamais, depuis tout le temps, pour tout le temps, lorsqu'il m'a créé. Maintenant, je demande seulement d'être ce que je suis. Cela peut-il m'être nié quand cela est vrai à jamais? Je cherche la paix que tu m'as donnée en cet instant, Père. Tu m'as donné cette paix en me créant, création éternelle, inchangeable. Ce qui a été donné alors doit être maintenant, ici, dans ma vie de tous les jours. Le ciel et la terre ne font qu'un. Car ma création était à part du temps et reste encore au-delà de tout changement. La paix dans laquelle ton Fils est né, dans ton esprit, Père, y brille, inchangée. Cette paix est en moi. Je suis tel que Dieu m'a créé. J'ai seulement besoin de faire appel à toi, Père. Pour trouver la paix que tu m'as donnée. C'est ta volonté qu'il l'a donnée à ton fils. Ma volonté est la tienne, Père. J'accepte cette paix en la donnant à mon frère. Donner, c'est partager, rendre... Un. Alors, au lieu de garder un conflit, une souffrance dans une relation, je t'offre, mon frère, la paix de Dieu. Donner, c'est partager. Cette paix est en toi, cette paix est en moi. Alors, le conflit est impossible. Je pardonnerai. Et ceci disparaîtra. Ce pardon nous permet enfin d'accepter la vérité éternelle et changeable. Paix appel à Dieu et trouve cette paix maintenant. Trouver notre véritable identité. L'amour de Dieu qui nous a créés est ce que je suis. C'est donc accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Et pour le Saint-Esprit, ce monde, le temps en ce monde, sert à pardonner toutes les illusions. Je pardonnerai. Comme Dieu pardonne, lui qui a jamais condamné. Comme le Saint-Esprit me l'enseigne, lui qui nous a déjà pardonné. Qu'aujourd'hui soit l'acceptation de la fin de la guerre contre soi-même. Parce qu'on se pardonne de s'être trouvé coupable. Ou peut-être que tu disais pas je me sens coupable, que tu disais je me sens malade. Mais se sentir malade, c'est mériter de souffrir. Et c'est pas le Saint, Fils de Dieu, en toi, qui pense Je mérite de souffrir. Ou peut-être que tu jamais prononcé ces mots. L'ego est menteur, se ment à lui-même. Mais l'ego, c'est pas toi. C'est une image insignifiante de toi-même. Ce chemin que Jésus nous enseigne Qu'est-ce que le pardon devient maintenant une manière de voir le monde, soi-même, les autres, la vie de tous les jours, dans ce pardon qui guérit, parce qu'enfin on accepte la paix de Dieu qui a toujours été en nous. Et entre cette paix et ce qu'on pensait voir dans la dévastation, c'est ce pardon qui s'accomplit en nous. C'est ça qu'on est venu faire. Alors c'est pas dur de pardonner. C'est de ne pas pardonner qui nous a fait projeter un monde de souffrance. Le ciel et la terre ne font qu'un. Dans ce chemin que Jésus nous enseigne, le pardon devient l'acceptation du rôle qu'on est venu accomplir en ce monde, de notre mission qui nous conduit au salut, à s'unir, s'unir à Dieu en prenant la main de nos frères, parce que je ne peux pas trouver Dieu en laissant un seul de mes frères jugé, condamné en arrière. Si Dieu est le tout, je ne peux pas me séparer d'un seul de mes frères et trouver Dieu. Merci tellement. Demain, on poursuit ce chemin et ce pardon qui s'accomplit en nous devient la paix de Dieu que nous sommes. Merci. Merci vraiment tout le monde. Tous ceux qui souffrent nous demandent d'apprendre cette leçon aujourd'hui. On se joindra pas à leur souffrance. On va entendre cet appel au réveil. On va la porter à la lumière, cette souffrance, donnée au Saint-Esprit. On va pardonner en nous ces illusions et de notre paix. On appelle tous nos frères à se joindre à cette paix. Et c'est là qu'on peut enseigner à se pardonner de s'être trompé. Mais on ne peut pas donner le miracle qu'on n'a pas accepté pour nous-mêmes. Ce pardon s'accomplit en nous, en trouvant la paix de Dieu en nous. Et c'est ce qu'on va offrir à nos frères. Merci tout le monde. À demain.